ma bosse, grand coestre. Tâtez ma bosse, bonheur et félicité pour vous. Bienvenue à la cour des miracles. Bienvenue à vous, internotateurs et internotatrices, pour notre partie de... Ouais, je sais, il n'y a pas le titre. Oh, ouais, ça va, c'est bon, j'ai gardé le flyer. La cour des miracles. Le flyer est là, il sera sur la boîte, ne vous inquiétez pas. Sur le quatrième de couverture, il y a le titre. La cour des miracles, c'est un jeu de Vincent et Guillaume. Ça tombe bien, ils sont là tous les deux. Salut Vincent. Salut. Salut Guillaume. Salut. Bienvenue à tous les deux pour cette partie de La Cour des Miracles, illustrée par Ronan. Et ça tombe bien, salut Ronan. Salut Guillaume. Alors, à ce qui paraît, tu ne sais pas jouer. Si. Mais tu gagnes pas. Alors, non, je suis stratégique. Moi, je perds avec Panache. Dans la défaite, il est stratégique. Oui, c'est ça. Je perds avec Panache. Avec Panache. Voilà, mais Vincent, dans l'explication, nous a dit que c'était... Eh bien, voilà, exactement. Voilà. Donc, du coup, nous avons dans la Trick Track Télé l'explication de La Cour des Miracles. C'est un nouveau jeu qui arrive chez Lumberjack. Ça sera disponible quand ? 15 ou 21 juin. Le 15 ou le 21 juin, c'est précis. En priant pour le 15. Et ça coûte ? Dans les environs d'autour, pas loin. Autour, pas loin. Ah ouais, ouais. Donc, 36, du coup, 36 euros. 2 à 5 joueurs, mesdames et messieurs, à partir de 10 ans, des parties de 40 à 45 minutes. Lumberjack, on l'a dit, on a l'explication, on sait donc jouer, on va pouvoir démarrer. J'ai gardé par le devers moi la capacité des différents ribots, puisqu'on risque d'en avoir besoin, je les connais peut-être un petit peu moins. On a notre confrérie de base. C'est ça. Hein, donc, on a les millards, on a les... Les orphelins, tu as les narquois, les faux soldats. Je suis un malingreux. Un malingreux. Les malades, les faux malades. Simuler les malades pour susciter d'ailleurs l'empathie. Voilà. Un petit peu. Le maquillage est pas mal. D'ailleurs, bras rotatifs. Faut que t'aies un peu de mort. Voilà. C'est la région parisienne, ça donne ce temps-là. C'est plutôt le pied replié, un peu enculé à la face. Le petit lit de guerre. C'est Guillaume qui commence. C'est pour ça que tu n'as qu'une pièce en plus de la carte complot, alors qu'il y en a deux ici, trois et puis trois ensuite. Donc, c'est à toi de jouer et rapidement, où est-ce que tu vas envoyer tes ribots? Alors, je choisis justement le ribot que je veux envoyer. Ouais, parce que c'est secret. Hein. C'est secret. Ouais, c'est secret. Mais je sais déjà ce que tu vas faire. Ah ouais. Mais non. Ah bah, je précise que moi, par contre, je gagne tristement. Je préfère le dire quand même. D'accord. Voilà. Donc, mais si avec panache. À la fin, il a je perds avec panache, mais je gagne tristement. Ah, quand tu gagnes, tu gagnes tristement. Ouais. Il est désolé en fait pour nous. Oui, c'est ça, d'avance. Voilà. D'avance. Joue, on n'est pas rendu là. Je peux le dire. Hop, je joue ici. Et tu prends une carte complot. Je prends une carte et je prends également un petit ribot en plus, un petit soldat, puisque c'est le pouvoir du lieu. Tu nous le dis pas, bien sûr. Non. Est-ce qu'il t'intéresse? Il m'intéresse plutôt pas, mais de toute façon. Pour l'instant, je le garde. J'ai droit à 4 ribots, donc... Non, ton quatrième, c'est quand tu as payé 6. Ah oui, c'est quand j'ai payé 6. Oui, d'accord. Donc là, ça veut dire que tu fais déjà... Bien. Non, mais c'est pour voir si tu suis... Ouais, tu vois, mais je suis au taquet. Je voulais pas lui laisser 4 directs dans sa confrérie. Hop. Oui. Donc, tu fais un échange. Hop. Et celui que tu as perdu, il est... Ah, il est perdu. Ça, il est perdu. Ouais, on va le mettre parce que ça va être chiant très vite t'inquiète. Au niveau de la lecture du plateau. Donc, tu as fait ça, pas de conflit. À Roland. Moi, je fais ça, je vais prendre deux pièces. Dividons les sous. Je n'ai pas fait de conneries, non, c'est bon. Et puis, du coup, hop. Ah ouais. Donc. Toi, tu as déjà la possibilité éventuellement de remporter un lieu. Oui, exact. Si, est-ce que si je faisais. Ouais, mais attends, si jamais il m'a bluffé. Non, je suis sûr qu'il m'a bluffé. Il faut penser qu'il l'avait mis là quand même. Donc, tu vois. Je joue là. Ouais. J'ai le droit à une pièce. Oui. On est d'accord. Oui. Je peux déplacer. Oui. Je peux déplacer. Et si je déplace, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Non, il n'y aura pas de conflit. Donc tu perds le pouvoir. Comme je le rappelle, oui, le pouvoir est optionnel. Donc tu peux ne pas utiliser le pouvoir. Eh bien, je ne l'utilise pas. Voilà. Donc conflit. Le conflit. Voilà. Et. C'est un 1. Ah, il avait bien bluffé. Bien bluffé. Bah oui, j'ai mis un 1. J'ai bien fait de te conseiller, tu vois. Et toi, tu as mis un 0, donc tu as perdu, mais tu récupères encore une pièce. Exactement. Je savais que tu avais mis un 0, je suis vert. Donc je te rends. Tu prends possession de ce quartier. Désolé de t'avoir aidé, Guillaume. Non, mais de rien. Je suis vert. Ok, ben voilà, ça y est. Tu Moi, j'ai un bon plateau vide. Ben voilà. Je suis super content. Fais-toi plaise. Charogne. Je suis vert. Ben moi, je vais aller. J'ai cru que tu avais vraiment joué ton mendiant. Ah, ça m'énerve. Je vais faire ça pour prendre 3 pièces. Ok. Voilà. Parce que moi, j'aime pas les gens qui jouent à la thune. Guillaume, à toi. C'est à moi. Oui, t'as raison. Je vais jouer chez moi. Donc, tu prends deux pièces. Non, il prend trois pièces parce qu'il est même chez lui. Voilà. Même lui, il s'auto.
Ah bah, c'est un truc de fourbe. Hein, c'est un truc, ouais, il s'auto-paye. Ouais. Il prend les sous du quartier. Oui, ça va vite, ça va vite. Parce que tu déplaces. T'as pas le droit de te déplacer, donc c'est juste pour déplacer Vincent, si tu veux. Oui, tiens. Et hop, il t'envoie la merde. Voilà. C'est purement gratuit, c'est purement gratuit. Hein, voilà, hein. J'en attendais pas moins de talent. Alors attends, du coup, moi... Moi, je vais y aller, hein. Vas-y. Ouais. Tu peux y aller. Non, réfléchis pas. Oui, fais à l'instinct. Tu sais, c'est toujours meilleur. Comme d'habitude. Non. Moi, je vais le tac. Je vais prendre deux pièces, s'il te plaît. Et par contre, je vais tout faire payer. Tu déplaces le roi des rivaux d'abord. Oui. Mm-hmm. Voilà. Attends, je paye. Le roi sans le sou. Faisons dans l'ordre. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu veux payer? Hein? Rien. Si, je peux poser là. Non, c'est là. Ah oui, c'est là. Là, le pouvoir, non, c'est prendre deux pièces. Mais t'as pris deux pièces. Tu n'as pas le faire en deux. T'avais besoin des deux pièces pour payer, de toute façon. C'est ça. Donc, c'est pas fait. C'est fait. Par contre, moi, je vais y aller. Donc, il avance de 1. Hein, c'est ça. Voilà. Et puis, je vais payer 4. 1, 2, 3, 4 pour poser mon influence de ce côté-là et récupérer une carte. On a le droit de le jouer après, hein, c'est ça, la carte. Tu peux la jouer avant, après, pendant, enfin, n'importe quand, pendant ton tour. Bah, c'est encore mon tour, là, quand je la récupère. Ouais, je la joue. Alors, tiens, je vais le montrer en caméra déportée. Je joue le pendu pour déplacer un pion ribot adverse vers un autre emplacement ou même vers un autre quartier. Le pendu. Et donc, du coup, je vais récupérer. En fait, clairement, il y a des cartes qui réutilisent les pouvoirs des lieux. Hein. Ouais. Et c'est le but, c'est de pouvoir le faire de manière… Non, il a déjà été déplacé. C'est mieux ici. C'est bien. Voilà. Reviens avec moi. C'est pas bien du tout. Bah si. Pas bien du tout. Parce que moi, tu vois, j'ai de l'argent, donc je voulais aller là-dessus. Bah viens. Et j'ai peut-être pas envie de déclencher ça parce que tu es en premier, tu vois. Bah et alors? Donc non, je vais d'abord… Bah, viens. Je vais temporiser, je vais faire ça. Okay. Et puis, je vais te virer là, quoi. Ah, bien joué. Ouais, mais là tu favorises Guillaume parce qu'il va venir et bibam. Je favorise personne. Pas forcément. Si, pas forcément. Si, regarde. Forcément. Regarde. Donc. Parce qu'il a pas l'argent. Enfin, oh, si, il a l'argent. Bah, non, j'ai de l'argent. Non, parce que j'ai de l'argent. Il semblait aussi. Okay. Hein, Vincent, j'ai de l'argent, mais j'ai pas assez d'argent. Oui, donc, tous les joueurs ayant au moins 5 pièces doivent vous en donner une. J'ai bien fait. T'as eu la chance, ouais, t'as eu la chance. J'ai bien fait. Allez, non. Tiens, prends ça. Hop. Pénible. Je peux utiliser une autre carte pouvoir. C'est une par tour ? C'est une par tour. Ah, c'est dommage. Ouais, bien. C'est pareil. Bien. Tu sais, les créateurs du jeu, ils en avaient parlé. Et ouais, ils se disaient, c'est bien. C'est ça. Tu te souviens ? Tu te souviens, Guillaume ? Tu te souviens, Guillaume ? C'est il y a longtemps. Je peux jouer ? Ah, pardon. Je croyais que tu allais jouer, moi. Pardon. C'est vraiment un jeu de crapule. C'est excellent. Il a pas vu que je lui ai piqué son tour. C'est bon. Ben voilà, super. Donc, le roi sans le sou avance. Se déplace. Ouais. Et on révèle. Tu peux payer. Je vais déjà payer pour gagner un petit peu. Ah oui, tu mets un. Alors, tu vois, c'est pour ça que je pensais qu'il allait pas le faire, parce que là, il offre une victoire facile à Ronan. C'est vrai. Bah oui, mais lui, ça lui permet de poser deux influences d'un coup. Ouais, mais donc, ça se fait vite. Donc, toi, c'est pas. Tu payes là combien? Je paye 6. Ah ben, et voilà. Je récupère, je trouve. La brute. Ça y est, il a son quatrième. Je veux bien ton petit marqueur d'influence. Le voilà. Purée, ça y est, il a une équipe à 4, l'animal. Hop. Et donc, maintenant, conflit. On résout. Tu es à 1, 1 et 1. Donc, c'est toi qui es en premier. C'est toi qui prends cet emplacement-là aussi. Aussi. Purée, je suis vert. Tiens, je tiens à dire quand même, il ne faut pas avoir peur. Ça peut monter très vite, mais ça descend vite. Ça descend très vite. Oui, surtout sur ce plateau-là. Surtout que, si on fait une ligue, il va s'en prendre plein la tête. Exactement. Et justement… Il y a des chances. Et justement… Et voilà. Résolution, mais moi du coup. Tu décides là. Parce que tu résous ici, ça fait rien en fait. Ah oui, non, putain. Le mec a du mal. Ah voilà, d'accord. Donc là, ici. Voilà. Tu veux peut-être avoir. Oui, tout à fait. C'est un dessinateur. Mais là par contre, du coup, on est d'accord. Il va récupérer un pouvoir. Exactement. Qui peut éventuellement changer dans ton équipe. Comme ça. Hein. Au hasard, oui. Ouais. Tu veux dire pas de celui-là qui est brouillé, c'est pas mal. Très bien. Mais... Non, mais c'est un jeu de trucs pute, donc on fait ce qu'on veut en fait. C'est que ça. C'est que ça. Ah, c'était parti. Il t'intéresse? Ah oui, il est bien. Il est où l'autre part? Oui, par contre, faut t'en virer. Oui, tout à fait. Attends. Parce que t'en as que 3 pour l'instant, toi. Tac. Hop. Voilà. Et du coup. Et du coup. Bam. On a rien vu.
Alors, résolution. Donc, on vous le refait pour vous, cher interlocuteur, parce qu'il y a eu le bazar. Au ralenti. Donc, au ralenti. Tac. Il arrive ici. Paf. Ça fait avancer le roi sans le sou. Ce qui pointe le quartier. Ce qui pointe ce quartier ici. De la taverne. Et pour faire, du coup, en disant, c'est toi qui l'as. C'est moi qui l'ai. À toi tout seul. À moi tout seul. Voilà. Donc, tu poses le petit marqueur. Et en plus, tu as été pioché dans le sac. Voilà. Un jeton supplémentaire. Au hasard. Tu as décidé de le garder. Voilà, tout à fait. Enfin, en piochant trois fois, mais tu as décidé de le garder. Trois fois. En choisissant. Voilà. Donc je te le rends puisque tu as le quartier. Mais par contre, je suis toujours à 3. Ouais. Voilà. Alors parce que pour arriver à 4, il faut payer ici. Alors là, du coup, est-ce que j'offre. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, c'est vrai. Non, et eh ben je vais aller. Ok, non, je vais aller là. Donc une pièce, deux pièces, trois pièces. Allez, histoire de faire la avancer. Sécurité. Ouais, tout à fait. Toi, tu l'as récupéré, mais tu l'as pas encore posé. Grand Quest, d'accord. Tu es avec moi. Ouais, je pense. De toute façon, sinon c'est égalité, je suis plus proche. Boum. Donc je touche un pour retrouver. Un. Normalement, voilà, donc il y a conflit, on est d'accord. Oui, est-ce que je pourrais bouger hein. Oui, tu pourrais bouger d'abord. C'est vrai que je pourrais bouger d'abord. Je vais bouger là. Comme ça préparera le terrain. Ok. Alors, révèle quand même. Il y a un et il y a. Non, il y a deux. Non, il y a trois. Oh la vache! Il y a trois, mais il n'a pas de pièce, donc il ne peut pas. Ah, parce que le mercenaire, il paye. Non! Donc, il a un bon gros mercenaire des familles, un spadassin. Il a une force de 3, mais si on paye les deux pièces, sinon, sa force est 0. Ouais. Donc, tu ne l'as pas payé. Non. Il dégage. Toi, tu avais 2. Donc, tu remplaces. Je prends. Tu vois, comme je te dis, ça va vite. Ça va vite. Alors, voilà, descendu à 4. Donc, 2, 1, 1, 1. Ok, à toi, Ronan. Ah non, pardon, à toi, Guillaume. Ça fait deux fois qu'on essaie de te gruger. Bon, là, c'est vrai que techniquement, il a moyen de gagner un lieu facilement aussi. Non. Ah, si. Non, je t'assure que non. T'as toujours pas d'argent, je te rappelle. Hein, donc, si, ouais, je peux gagner un lieu facilement. Là, je vais gagner un lieu. D'accord. Ah, oui, il va. Oui. Il a on va voir. 4, 1, 2. 2. Est-ce que tu veux une carte? Ah oui, je voulais faire une carte. Pour le coup, ça. Ok. On révèle. D'accord. C'est un. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il avait son 2. Oui, t'as raison. Son 2, mendiant. Donc, j'ai récupéré une pièce. Et c'était un 1 tout pourri, j'ai mal joué. Donc ça, ça part. Donc là, on a une configuration où l'autre, il va commencer à avoir beaucoup de points avec des gros costauds. Mais ça va changer puisque on a… J'aime pas bien comme t'es parti, Guillaume. Ça me paraît puissant ton truc. Et moi aussi. Je suis aussi surpris. je me pose là. Il avance. C'est ça. Okay. Je vais payer… tu peux aussi… Allez. Fou. Donc, tu as payé 6 et tu récupères ton, ta brute. Ok, alors du coup, effectivement, je vais y aller. Donc, je vais aller. Ah oui, mais non. Ah oui, ça veut dire qu'il faut que je me mette là. Oui, bah si, c'est bien. Oui. Je me mets là. Voilà. Non, c'est pas forcément bien, mais. Si, c'est bien. Donc, je trouve que ça manque de. De 1. Oui. Ça, c'est pas tout de suite, je fais déjà ça. D'abord, tu fais le pouvoir de… Ok. Donc, si je fais déjà ça, je peux déplacer quelqu'un. Il n'y a que Ronan. Et je vais déplacer… Ah oui, mais non, je prends un danger. Je prends un risque, pardon. Un danger, c'est pas français. Je vais le déplacer… Après, il n'y a pas d'obligation. Hein. Tu n'es pas obligé d'utiliser le pouvoir du lieu. Ouais, mais il vaut toujours mieux le mettre en dernier pour… Voilà. Okay. J'ai fait le pouvoir, j'ai fait ça, donc je résous. C'est un alors, rouge. Par contre, excuse-moi, je touche une pièce puisque tu es venu chez moi. Ah oui, t'as raison, t'as raison. Je résous ou pas Tu révèles. Ok. Enfin, non, donc tu aurais pu le. Oui, c'est vrai. Mais c'est un mendiant, c'est pas grave. Ouais, c'est un mendiant. On s'en fout, de toute façon, c'est juste que j'ai perdu mon lieu. Et que moi, je l'ai gagné. Voilà. Donc, toi, ça change vite de propriétaire. C'est bon à toi. Et ben moi, je suis super heureux parce que franchement, ça se passe comme je voulais. Quel jeu de merde! Qui c'est qui a eu ce jeu? Je prépare des jeux de dire que c'est un jeu de merde. Et là, alors, déjà, je vais faire un. Comme on est en live et qu'on nous demande qui est l'illustrateur parce qu'il trouve que ce plateau est très très joli, je prends une pièce. C'est Ronan. C'est moi, tout à fait. Et il est là, voilà, bim. Donc là, il n'y a pas de conflit.
Alors, l'idée du plateau est une idée de l'éditeur et c'était une très bonne idée. Il fait les dessins ? Oui, il a illustré en faisant des dessins. En faisant des dessins, ouais. Ouais. Et donc, du coup, tu disais l'idée du plateau ? C'est une idée de Antoine. Ouais, de ouais. Antoine, dès le début, dès que je lui ai produit le proto, il avait cette idée. Il avait cette idée de la vue de dessus de Paris. Ouais. Alors, la problématique, après, elle était de faire quelque chose de jouable. Mm-hmm. Parce que si on se basait sur une carte de Paris de l'époque, c'est un peu compliqué. Et ouais. Joue ma carte, je comprends. Parce qu'en fait, les quartiers tenus par la Cour des Miracles sont justement très à l'ouest. Parler. Et en fait, ça faisait une sorte de carte de plateau de jeu déséquilibré. Donc, ouais. On a beaucoup triché. Donc, a triché. Alors, ma carte, c'est en fait, je peux faire un recrutement sans être allé sur le lieu qui fait les recrutements. D'accord. Et vous défaussez ensuite l'un donc, de vos pions. Donc, ça me permet ribos. De… Tiens, tu veux fait, le sac fait, ouais, ouais, ouais. Tu veux le sac, tu pioches un nouveau ribot. Et si alors, reste, on remarquera aussi une petite chose, c'est que certains lieux sont plus sécures que d'autres. Mm-hmm. Par exemple, là, Ronan, en possédant celui-ci, il est quand même vachement bien parce que le seul moyen qu'on a de lui piquer maintenant, c'est à part quand on est trois dessus, c'est d'aller sur ces lieux-là. Alors que celui-là, c'est passé. Mmh. Donc, en fait, les lieux deviennent plus ou moins dangereux en fonction de la partie. Partie. Et, ouais. Alors, pareil, il y a un autre truc, c'est que les hommes de main, ils ont deux particularités. Soit ils aident à gagner. Soit ils donnent un bonus quand on gagne. Mmh. C'est soit l'un, soit l'autre. D'accord. Alors, vas-tu déployer de nouveaux ribots ? Oui. Alors, il n'a qu'une pièce. Hein, de l'équipe des malingreux. Donc, je prends des sous. Alors, bah oui. 1, 2, 3. T'en récupères 3. Ça, c'est pour jouer son 3. Là. Ouais. Ça, c'est... Là, tout ça pour dire, ouais, c'est moi. Et allez-y. T'as eu un peu. Et je joue une petite carte. Non. Non, pas maintenant. Non, pas maintenant, finalement. Ouais, c'est ça, je m'en doutais. Ronan Tu peux y aller, là. Chiant, putain, je ne peux pas pouvoir utiliser ça. Vire-le, dégage-le. Ouais. Allez, go. Bim bon, et une voilà. Pièce pour moi. Une ouais. Pièce tant pour que je contrôle. Ben, oui, tant que tu contrôles. Voilà. Il avance de 1. Bon, je peux… Révélation, quand même. Oui, ouais, vas-y. Donc, 1. Et Ronan a 1 plus 2. Ah, il a une bonne. Bah, il a eu sa bruit tout à l'heure. Ouais. C'est vrai, il a… Non, pas moi. donc, du coup, c'est toi qui récupères exactement. Les lieux. Donc, tu vois vraiment que ça bouge beaucoup. Comment tu t'es fait virer là ? T'es déjà à 3 du coup. On passe une bonne partie de la partie. Tu veux rien dire parce que là, si moi je me fais virer mes deux quartiers, je retourne en arrière. Quoi. Donc il faut aussi un peu consolider en payant un peu. Ça, bah, si tu peux le jouer comme ça, bah oui, tu peux le jouer comme ça, c'est peut-être pas bête en fait. Je vais récupérer une carte, deux pièces, et voilà. Okay, alors voilà, t'avais un petit coup à jouer. Ah ouais ? Ouais. Ouais. Que t'as pas fait. Mmh. Ah oui, pour avancer. Pour avancer. Moi, ah faire. Oui, bah oui, bien oui. C'était x 2, donc on a avancé ici. Ah, ça, je récupère une pièce. Moi. Je récupère ça. Oui. Voilà. Tu gagnes le lieu. Et je gagne le lieu, mais surtout, je gagne le lieu. Là, je monte, c'est intéressant. J'ai mis mon voleur qui me permet de gagner deux pièces quand je gagne un lieu. D'accord. Donc, non seulement plus j'ai le gain des pièces. Et de le voleur place. Doit te faire. Voilà. Et donc, forcément, je récupère. Va-t'en. Oh, comment tu t'es fait virer du plateau. C'est un jeu. En fait, il ne faut pas, faut pas dire croire que on te... est. Ouais. Voilà, ouais. C'est très, très compliqué de. Bah, Guillaume, vas-y, venge-toi. T'as un lieu à gagner là. Oui, j'ai un lieu à gagner, donc c'est celui que je vais faire tout connement. En fait, des fois, on a des situations où on se dit il faut, je suis obligé de jouer ça, mais le problème, c'est qu'on offre des opportunités aux autres joueurs. Je récupère donc les deux pièces. Tu fais avancer le roi sans le sou. Voilà. J'imagine que t'es un gros bourrin. 2 plus 3, mais si que je ne paye pas. Tout dépendra ce qu'il y a en face. 18. Tu payes ou non, pire non. Non, c'est un mendiant, donc je récupère une pièce. Voilà. Le mendiant est très utile parce que vraiment, c'est celui des fois où on a vraiment et besoin d'avoir ce mendiant-là. Du lieu. Ouais, ça y est, celui-là, c'est chez toi encore une fois. Ronan. Ouais. Moi, du coup. Moi, je vais prendre 3 pièces, s'il te plaît. Je prends une pièce. Ouais. Ah, il prend une pièce parce que c'est chez lui. Allez. Là, ça veut dire que c'est Ronan qui sert si je vais là, mais en même temps, il serait peut-être temps que je me magne. Ouf, bouf, 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 bouf. Pouf, 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 pouf. Alors, du coup, je vais faire
ça. Je prends une pièce, je t'en donne une. Ouais, s'il te plaît. Voilà. Et puis je vais payer 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour récupérer. Moi aussi, enfin, chercher ma grosse brutasse. C'est souvent un truc un peu, une condition un peu importante. Bah oui, on sent bien. Et puis. Oh, non, rien. Vas-y. Non, c'est naze. Et puis là, je suis tout quoi, tout qui. Non, ok. J'ai une grosse réflexion. Je vois ça. On n'a rien entendu. Si je fais ça. Ouais, ça marche. Hey, t'as ta réflexion qui vibre. Ouais, non, je suis obligé, je pense. Je vais faire cette couillon. Ouais. Ah, tu le fais suer. Eh ben, ça me plaît de l'avoir fait. Tu vois, tiens, du coup, ça te fait une pièce pour Renan parce que c'est son quartier. Voilà, ici, exact. Il avance de 1. Ouais. Et là, je vais ici et je chope une carte. T'as payé 4 Ouais, non, mais attends, je le fais. Ah ouais, j'étais en train de me dire. Et tiens, fais-te voir la défausse. Ah, parce que quoi? Parce que quoi? Parce que quoi? Parce que... Un fachin. Ouais, je prends celle-ci à la place de celle-là. En fait, c'est la mort. Ouais. Montre-la en caméra. D'ailleurs, C'est rigolo, la mort, parce qu'elle n'a pas une faux. D'ailleurs, elle a mis, une belle. On n'a pas mis le nom, la mort. Prenez une carte de votre choix. C'est le fossoyeur. Exact. On n'a pas mis le nom. Je pense qu'il ne rentrait pas. C'est l'arcane 13. Ah, c'est le fossoyeur, d'accord. Hop, qui permet de récupérer des fausses. Ok. Donc. Guillaume, que fais-tu suite à ce ah? Alors. Là, par contre, il a des sous, donc il peut payer sa grosse brutasse. Je vais là. Ça avance de 1. Ça avance de 1. Est-ce que tu payes? Je paye. Je vais payer 8. Oh la vache. Ouais. Donc il ne peut plus payer sa brute. Hein. Je tiens quand même à le dire. La brute est gratuite. C'est le mercenaire. C'est le spadassin. Non, il ne peut plus payer ça. Oui, c'est ton spadassin. Je paye 8. Ça va. Je place donc un petit les noms, truc sur le... Où je peux faire avancer justement le roi des rêves. De 3. De 3. Alors, il s'arrête forcément ici. Voilà. En fait. Oui, ça, c'est un petit détail. T'es obligé de passer par l'étape. Il s'arrête toujours. Voilà. D'accord. Donc, résolution de lieu. Il n'y a rien. Sur celui-là. Ah, c'est sur celui-là, t'as raison. De toute façon, il y avait résolution. Tous les cas, ça se résolue. Oui, d'accord, ok. Donc, en fait, oui, t'as un peu joué, t'as payé 8 pour pas. 2. Oui. 2. Ah, tiens, une petite pièce. Donc, c'est moi qui gagne. Hop. Tiens, tu vires. Récupérez vos brouilleux. Je savais que t'allais. Un, deux, hey, il est à 4, Vincent, je voudrais pas dire. Oui, mais ça c'est au début. Oui, t'inquiète. Alors. Qu'il aime. Non, Renan. Oui, c'est. Oui. Alors moi c'est Guillaume, toi c'est Renan. C'est ça, donc du coup c'est bien Renan. Oui, oui. Voilà. C'est bien ce que je dis. Mais tout à fait, on a entendu. C'est bien ce que je dis. Alors. C'est là que ça commence à devenir serré, parce que tu vois, là on est tous dans un petit mouchoir de poche, 3. Non, pas moi. Si, 3, t'es rien. 3, ouais, 3. C'est rien. Et il y a combien? T'as combien? Je suis à 4. Enlève ta main. Enlève ta je suis à 4. Bah, donc il est nu. Et, non, mais on est tous. Ça peut vraiment changer d'un tour à l'autre, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un lieu qui part, ça va super vite. Mm. Et c'est à ce moment-là que ça commence à devenir sérieux, parce qu'on va tous essayer de remplir ici, donc d'avoir de la thune. Ouais. Mais, et on est obligé de faire gaffe à ne pas laisser un lieu à, bah, à un autre. Donc, en fait, les tours deviennent de plus en plus longs. Oui, en réflexion, alors, mais non. Bon, alors, parce que ça va vite, ça va vite, t'inquiète, regarde, pim, pam, pouf. Tic, tac, tac. Ah, il y retourne, hein. Tu payes combien? Alors, je vais payer 4. Ok. Je prends une carte. Alors. Si on peut la jouer tout de suite la carte. Bah oui, puisque t'as pas encore joué. Moi je sais une carte par trois jeux. Bah allez, roue de la fortune. Tiens, on va montrer en caméra déportée. Donc moi je prends 3 pièces et un joueur de mon choix prend une pièce. Merci Renan, ça me fait plaisir. Donne-moi 3 pièces. Et donne une pièce Et je donne une pièce à Guillaume. Ah Renan. Il avait plus de pièces que nous. Mais non, mais pas du tout. C'est typiquement. Mais non, mais pas du tout. Il sait pourquoi il fait ça. Exactement. Il le sait. Et nous, on aimerait bien savoir. On a un gros doute. Là, ça, c'est moi. Donc, c'est bien.
Bah oui, c'est bien chaud, flatter celui qui a potentiel. Oui, Donc là, comme c'est chez moi, je prends 2 plus 1. C'est bien ça. Ok. Je devais te finir un scénar. Ouais. Ouais, mais c'est mort. Bah, je devais te payer en fin de semaine. comment ça règle les soucis. J'ai perdu. Et je peux déplacer quelqu'un. Et je peux déplacer quelqu'un. Yep. Tu m'en rappelles, il n'y a que lui que tu peux déplacer. Hein. C'est... Oui. Tu vas lui offrir. Non, tu peux quand même pas faire ça. Ah, mais ce que je lui ai. Non, autant toucher un truc par la suite. Ah oui. Et là, je vais faire ça par contre. Attends. Non, je vais faire ça. Une pièce. En plus, je vais chez moi, donc deux pièces. Ouais. Et une carte. Ça va me permettre de me refaire. Ouais, je comprends. Ah, attendez. Non. Tu vois, tu calcules. Ouais, je calcule. À moi. Guillaume. Les cartes, au bout d'un moment, deviennent nécessaires quand même à permettre de faire des petites astuces. On récupère une pièce. Et surtout, c'est celle qui introduit. Ronan. Ouais. On récupère une. Elles introduisent et aussi du. Je peux choisir. Un peu le chaos, l'incertitude. L'incertitude, voilà. Ribaud. On ne sait pas avec ces cartes ce qu'il peut pouvoir faire, en fait. Alors que généralement, la lecture sur le plateau, elle est facile. Non, tu ne m'auras pas. Merci. Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Tu peux le dire à voix haute, hein, pour que nous on sache. Oui, aussi, oui, parce que je t'aurais pu te le lire, hein. Oui. J'aurais pu faire ça, Aïe. Il est bien le. Ouais, moi je suis bien. Le prêtre. Ouais. Ouais. Ah ouais. Non. Voilà. Mais non, finalement non. Non, tu. Alors, tu non, 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 là, il est défaussé. Il est défaussé. Excellent. C'est ce qui fait qu'on a moins de chance. Des fois, on enlève aussi des possibilités aux joueurs d'en avoir par la suite. Ronan, que fais-tu? Où vas-tu? C'est une excellente question. Non. Alors. J'hésite. Je vois ça. J'ai une victoire facile, un peu trop, mais. Qu'est-ce que je fais? Ah bah oui, si, fais ça. Attends. Mais oui, fais ça. Bon, allez. Ça s'appelle une victoire. T'es bourrin, mais au possible. Mais un peu facile. Bon, je pense à gagner. Je crois que j'ai gagné. J'ai eu le doute, mais hop, tac. Si tu ne révèles pas, ça veut dire que tu n'as pas le mentor. Tu n'avais pas payé ton pouvoir, en fait. Hein. Tu n'avais pas posé de. Quoi? Tu n'avais pas posé de truc. Attends, je vais le faire. Non, mais dans, je sais, dans l'ordre. Là, on joue trop vite, là. Tu vois, on va faire d'abord le. On joue trop vite. Ben. Alors, du coup, il a pris une pièce. Voilà. Soit t'en prends une. Moi, j'en ai pris une. Ensuite, il peut éventuellement payer. Donc là, il aurait eu l'argent pour pouvoir faire. D'accord, oui, j'ai l'argent. D'accord. Il a l'argent. Donc paf, je paye. Et ensuite, on fait la résolution. D'accord. Ça avance de 2. Oui. Arrive là. Voilà. Ouais, mais c'est tout. C'est tout. Non, par contre, ce qui est cool, c'est que moi, ça me permet. Non, c'est à moi. Ah oui, c'est à toi. Et là, c'est moins cool, ça. Et ce qui est cool, c'est que effectivement. C'est pas cool du tout. C'est pas cool pour toi. C'est pas cool pour toi du tout. Attends, parce que si je fais ça. Oh la vache, attends, dans ma tête, ça colle. On fait le déplacement, on n'active pas le pouvoir, on est d'accord. Non. Hein. Non. On est d'accord. Le déplacement, ni les bonus pour un propriétaire, par exemple. Eh bien, écoute. Toi, tu étais à 4 et maintenant, il est plus qu'à 1. Faire super gaffe à Ronan. Moi, je dis ça comme ça. Ok, donc. Ouais. Je viens là. Mmh. Ouais. Je prends une pièce. Oui. Tu prends une pièce. Tu prends une pièce chez moi. Je déplace celui-là. Mmh. Attends. Non. Je déplace le roi sans le sou. Mmh. Oui. Je déplace lui qui vient ici. Mmh. Ouais. Résolution. Mmh. Bien joué. J'ai 2. Tu as 2. Mais c'est le premier. Donc tu vois, il est repassé à 1. Je suis à 4 maintenant, alors qu'il y a 2 minutes, c'était l'inverse. Donc là, il faut que je joue judicieusement.
Et je joue pas de cartes, mais c'est vraiment parce que c'est vous. Mais en fait, tu n'aurais pas pu puisque tu viens de faire une résolution. C'est avant une résolution. Ah oui, t'as raison. Ah oui. Ah merde. Oui, la résolution, c'est, oui, c'est à part. C'est à part, oui, c'est ce que tu as dit. Hein. C'est oui, l'entre-deux-tours, entre guillemets. Oui, d'accord. Alors moi, je vais faire ça. Oh, que c'est malin. Et quand je me. Lorsque vous placez un pion ribot, doublez le bonus de l'emplacement. Donc il va se déplacer de 4. 4. 1, 2, 3, 4. Bien vu. Donc en fait, je joue. Non, il n'a pas pris J'ai pas pris ma pièce, mais du coup, tu me piques direct. Ah, purée. J'ai lieu. Et surtout, vu que j'avais un voleur. Tu l'avais pris ou pas ? Non, j'ai pas pris la carte, je vais la prendre. Et j'ai vu que j'avais un voleur, je gagne deux pièces en plus. Puisque tu as gagné la résolution, l'affrontement, comme on dit. Bien vu. Ok. Alors, j'aurais préféré faire ça sur un lieu que Ronan détient. Bah oui, parce mais, que voilà. Ronan, là, à son tour, il peut éventuellement peut gagner. Donc voilà. Donc, c'est, si jamais Ronan gagne, c'est la faute de Guillaume. Tu l'as même pas piqué, t'avais qu'à faire ta part de boulot, j'y crois pas. Oui, en effet, je peux provoquer la fin du jeu là maintenant. Non, pas en gagnant toi, tu en. Ah oui, non. On s'en est d'accord. Voilà, bon, là, pour arriver, il faut le ouais, faire. Il faut, ouais, le faire. Ouais, faut avoir le même. Ouais. Faut vachement le faire là. C'est surtout, heureusement, t'as pas beaucoup de sous parce que sinon. Il a pas sinon, de sous, il peut non, pas les payer. En plus, il a payé les plus bas. Hein, donc, ouais, il faut récupérer les sous. Ah d'accord, en fait, tu veux le laisser gagner ça. Donc, tu me donnes un. Voilà. Tu prends deux. Mais non, il peut pas gagner là. Là, je pense. Je peux déplacer un ouais. Sion. Oh, ah, bah, oui. Mais oui, mais non, mais bah, ça, oui. C'est n'importe quoi. C'est Ronan le. Ah, bon, punaise. Bah, j'ai gagné en fait. T'as deux. C'est quoi ? Parce que. T'es même pas obligé de le payer. Non, je suis pas obligé de le payer. Allez, vas-y, récupère ta bouse là. Je suis vert. T'as pas gagné là ? Ah non, j'ai pas gagné. Non, non, justement. Non, mais justement, en plus, les pions qu'il avait posés fait que je pouvais pas gagner. Ah oui, oui. Non, parce que soit il payait son spadassin. Voilà. Et donc il a gagné un ticket. Et bon, voilà. Voilà, il a un petit arrêt là. Tant qu'il a de l'argent, il a un petit arrêt. Ok. Donc moi, par contre, faut que je réfléchisse un petit peu. Comme tu dis, ouais. Un petit effort. Oui, bon. C'est okay. Bon que parti. Mais non, c'est parce qu'il veut gagner. Mais je non, le comprends. Je le comprends. Bon, purée, bon. Je m'en suis revenu à 4. Ça me gonfle. Ah, mais t'as vu, ça, c'est vraiment. C'est fluctuant, hein, les. Bon, allez. Hop, j'ai bien 3 pièces, s'il te plaît. Moi, j'en prends 4. Ah non, 3. Excuse-moi. Et du coup, trois parce qu'il a celui du bonus et celui du lieu. Celui du bonus, puis celui du lieu. Un, deux, trois. Il est à moi. Non, oui, mais le lieu, c'est le lieu des dépenses. Pardon. Non, mais on verra pas ça avec ce jeu. Tu rigoles, je lui laisse rien, c'est mon lieu. Rien du tout. Il m'énerve les gens à se mettre sur des pièces. Attendez, je joue une carte, j'ai le droit de la jouer maintenant. Ouais. Ouais, tous les joueurs ayant au moins 5 pièces doivent m'en donner une. Espèce de bâtard. Ah, espèce de vrai. Bâtard. Au moins 5 pièces. Ouais, ouais. Au moins, ouais, merci, impeccable. Et je vais donc payer 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. T'avais oublié un truc, hein. Je pense qu'au fait. Ah oui, non, je l'ai pas fait avancer. 1, 2, sauf que là, en fait, tu le déclenches ici, c'est lui qui gagne. Hein. Non, pas 2. Si, si, parce que tu avais. Ah oui, un seul. Oui, donc, un si tu. Oui. Oui, tu payes le 7. Ouais, ouais. Oui, non, je paye que 7. De toute façon, le 3, tu étais de ses dents. Ah, bah non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui me fait piocher 2 cartes complot. Et ça, c'est bien. J'en ai déjà joué une. Hein. Oui, j'en ai déjà joué une. Donc, c'est à toi, Vincent. Oh, que c'est en train de se tendre. J'aime pas ça. Là, t'as pas 8 pièces. Je viens de te couper l'herbe sous le pied. Ah, ils sont tous à 4. Pardon. Comment que je vous ai escroqué. Oui, extorqué. Ça me fait bien chier. Non, tu peux jouer qu'une seule carte, Vincent. Tu peux jouer qu'une seule carte. Oui. Bon. Je me pose là. Oui. Donc, attention, une pièce, voilà. Une pièce, il avance de 1 et t'en prends 2. Moi, j'en prends deux, en effet. Ouais. Par contre, je fais déclencher un affrontement où il y a au moins deux pions ribots et présents. Ben, affrontement, t'es sûr et de toi. Hein. Ouais, je suis sûr de moi, j'ai mon 2. Il a son 2 ouais. Aussi. Ouais. Mais comme c'était plus donc, proche, du coup, tu le vires. Ah, mais non, viens là. Et c'est toi qui prends la place.
Mais c'est toujours pas Ronan que t'as viré, je te signale. Ah, Ronan. Non, non, c'est ça qui fait chier. Bah ouais, je. Bah, en fait, il s'est sécure sur un lieu qui est très bien, où on va assez peu, puisqu'en plus, on a eu les cartes. Je vais jouer une petite carte. Tous les joueurs ayant en jeu plus de pure renommée que vous doivent vous donner une pièce. Donc Ronan et Vincent. Oh putain. C'est gentil de votre part. Je vous l'avais dit, que ça queen. Ça queen. Donc ça c'était ma carte. Maintenant, il faut que je pose mon pion rivaux. Oh, comment que ça. Eh, hey, allez-y, jouez. J'ai mon tour de jeu là, allez, amen. Ah, t'inquiète, moi aussi. Vire Ronan de là. Petit. Oh purée, il va. Non, je joue ici. Donc tu prends une pièce. Une pièce. Ronan prend une pièce aussi, oui. Puisque je suis chez lui. Merci. Tu payes. Je vais payer quoi Tu peux payer 4 si tu veux. Oui, je peux payer 5 aussi, je peux payer 7. Ouais. Oh, ça va? Ça vient. Oui, mais tranquille. Les ultra-riches, c'est vraiment tranquille, pas dans cette société. Quoi. Ouais, je vais payer. Mon Dieu. Je vais payer 4. Ok. Hop, donc carte complot. Une petite carte. Un marqueur d'influence. Et voilà. Et c'est fait pour ça. Ok. Ouais, j'ai vu. J'ai perdu mon œil. Moi, je joue ma carte qui est l'ermite. Okay. Choisissez un quartier que vous contrôlez. Retirez-en votre pion renommé et gagnez 5 pièces. Donc, tu choisis un quartier. Bah, oui, en fait, c'est quand tu sais que tu vas le perdre. Bah, ouais. Et lui, ça lui permet d'aller. Passe-moi 5 pièces. Oh, purée. 1, 2, 3, 4 et 5. Et comme ça, en plus, il va aller directement payer son petit. Et heureusement que. Ça ne fait pas gagner. Hein, non, mais au moins, il sécure son pion renommé. Pouf. Et puis, du coup. Tu payes combien? 1, 2, 3, 1. Ah, si, il a gagné. Hein. Non, pas forcément. Non, j'ai pas de. Non, il a enlevé, il lui met juste un. Non, mais là, il prend aucun affrontement. Oui, mais il peut peut-être le reprendre, mais il peut pas gagner. Ouais, ça serait chaud. Oui. Ça tombe, t'as ton 3 en plus, toi. Ça sert à rien. Tu payes combien, du coup? Je paye 7. Ok. Prendre 2 cartes. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas que la confiance m'étouffe, mais. Et c'est pas un jeu sur la confiance. Non, on est d'accord, c'est pas ça. T'as pas le droit de la jouer. Non, je sais. Ça marche. On résout. J'ai un 2. Il y a un 0, il regagne une pièce. Tu payes ou pas? Oui. Va te faire voir. Va te faire voir. Ça m'énerve, ça me gonfle. Non, je paye 3. Faut la sécher. Bah, par contre, tu vois, il. Ah, bah ouais, je sais bien. Galère. Ça m'énerve. Tu m'énerves, garçon. Tu m'énerves. Alors. Ok, on va le faire comme ça. On va le faire comme ça. Ici. Normal. Donc, je prends 2 et je te donne 1. Ouais. Ok. Il avance de 1. T'es tout seul. J'ai mon 0. Je récupère 1. Hop, voilà. C'était un grand classique. Et je récupère celui-là. Je joue peut-être une carte. Je joue peut-être une carte pour aller récupérer une carte dans la défausse grâce au fossoyeur. Non, ça peut être. Non, ça. Ça, c'est bien ça. Oh, allez. On dirait que ça se tend un peu là, non? Non, comme un string. Si vous étiez en train de voir ce qui se passe, ils sont tous la tête genre là, tu sais, comme ça. Regardez, comment est-ce que c'est ça? Comment est-ce que je peux leur planter plutôt dans le dos? Ça commence sérieusement à me courir. Moi aussi. Solo haricot. Eh, Guillaume, Ronan sont à 1 de la victoire. Ah, ça va, c'est bon. Et je n'aime pas du tout Guillaume qui se frotte les mains.
Vincent, c'est au premier qui fait son action parce que moi j'ai une aussi. Non, je peux pas. Tu peux pas les coincer. Je peux pas aller. Donc en fait, je vais faire tous les joueurs qui ont 5 pièces vous en donnez une, donc ça va faire juste toi en fait. Tiens, c'est chier. Un de plus et je pouvais faire vraiment un beau truc. C'est un peu le sel du jeu quoi. Tout à fait. Hop. Je prends une pièce. Voilà, on a compris. Oui, c'est bon. Et avec les 7, je me paye 2 cartes. J'aime les pièces. Okay. J'aime les pièces. Oui, parce qu'il va pouvoir y aller. Tiens. Oui, c'était là. Ok. Est-ce que tu en joues une? Non, il a déjà joué une. Il a fait, je pense, ça qui a demandé une pièce à tout le monde. Ah oui, t'as raison. Oui. Ouais, donc, c'est bien à Guillaume. Tu peux gagner? Non. Ronan, tu peux gagner? Je peux. Non, mec, Guillaume, fais quelque chose! Non, là, je vois pas du tout. Non, mais il bluffe. Il bluffe. Mort-le! Je bluffe, tu bluffes. Merci, Germain, c'est la tu solution. Bluffes, mort-le! Oh purée, ça serait non, génial. Non, 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 il bluffe. Il bluffe. Il bluffe. Tu bluffes. Est-ce que. Un petit peu quand même. Vous pouvez les entuber. Ah, c'est bon que ça marche. Oh purée. Ça serait génial. Je récupère 3 pièces parce que c'est chez moi. 1, 2, 3. Et tu peux bouger un pion. Et je peux bouger un pion, oui. Est-ce que tu le fais? C'est optionnel. Ronan? Ouais, c'est bon. Ah non, si tu gagnes. L'autre. C'est bon. Si tu gagnes pas, je gagne. Non, c'est bon. J'y vais. C'est tu gagnes? T'es prêt? Ah ouais, je gagne. Là, je gagne. Oh, arrête. T'as joué? Attends, j'ai une carte. Je joue une. Non. C'est pas mon tour. Lorsque vous placez un pion ribot, doublez le bonus de l'emplacement. D'accord? Ah non. Je vois pas. Ah si. Ah oh, bah si. Pouf. Ouais, mais tu gagnes. Oui, non, mais. Ah si, partout. Eh bah, partout et tu gagnes. Résolution. Tu gagnes le lieu. Je gagne le lieu. Et en plus. Il... Ah, résolution où il veut, c'est le coup que je voulais faire. Et voilà. Et je l'avais pas. Et ben voilà. Ah, ça m'énerve, ça me gonfle. Et donc, franchement, c'est un jour où même les gens nuls peuvent gagner, tu vois, c'est ça. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est vrai que t'as l'air super triste. Hein, ouais, t'as l'air super triste. Non, c'est pas si triste que ça. Là. C'est la cour des miracles. Vous le trouverez comme en quoi, boutique. Les miracles sont possibles. Ouais, tout à fait, c'est exactement. Vrai. Vous le trouverez en boutique avec le flyer et avec un des 3 personnages. Puisqu'il y a 3 flyers différents en fonction de celui que vous voulez. Vous enlevez ensuite le flyer, vous avez l'illustration pleine couverture. Et le flyer, vous pouvez le faire dédicacer par Ronan, l'illustrateur, par Guillaume et Vincent, les 2 auteurs. Tu voulais rajouter un petit quelque chose? Oui, je voulais rajouter que c'est normal que j'ai gagné puisque c'est à partir de 10 ans. C'est vrai, à partir de 10 ans pour des parties de 40 ans. Parce que c'est souvent des questions qu'on a eues. Tu vois, le personnage a 3 de force. Ouais. Bah, il suffit non, pas non, de gagner, c'est pas assez, vraiment, on est d'accord. Faut et je pense que ça se jouait effectivement à pas grand chose parce qu'avec une carte, je récupérais celle-là. De toutes les parties qu'on a faites, ça se joue toujours à vraiment pas grand chose. C'est souvent une carte qui manque. Moi, il me manquait une pièce, j'aurais pu faire un sacré coup. Voilà, c'est toujours un petit truc. Mais C'est la cour des miracles. C'est ça. C'est la cour des miracles. C'est chez Lumberjack. Normalement, ça sort aux alentours du 15 juin. Messieurs, 15 juin, 21 juin 2019, précisons-le. Oui. Messieurs, nous avons Antoine qui est de l'autre côté, mais serez-vous à Paris et Ludique? Normalement, oui. À Paris et Ludique. Voilà, donc du coup. Et dédicace. Et dédicace. Moi, je serai là le samedi pour la dédicace. Nous, on y sera les 2 jours, le samedi et le dimanche. Moi, je serai le samedi. Voilà, pour avoir le. Ou dédicace, partie, se faire plaisir, acheter. Autour de la Cour des Miracles et Lumberjack, Antoine Roffet qui était avec nous, mais pas encore devant la caméra. Si vous souhaitez voir un petit bout d'Antoine, c'est simple, il suffit de suivre le papotage. Et là, vous aurez un petit peu de l'histoire. En attendant, merci à tous les ribauds autour de cette table. Merci à toi. Merci à votre majesté. Non, ah oui, c'est vrai, c'est lui la majesté. Oh non, non. Je crois qu'il y a une couronne. Oh non, c'est lui. Merci à Germain pour la réalisation. Pour la et continuez bien de vous amuser. Ciao, ciao.